clamant le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Dans Malachie chapitre 1, verset 6, la Bible dit dans Malachie chapitre 1, verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Amen. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas venu pour assister à un spectacle. On n'est pas venu ici pour assister à une réunion ou une conférence de plus. On n'est pas venu ici pour regarder un homme. On est venu ici pour rechercher la face de Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui me cherche me trouve. Amen. Et dans ce verset, le Seigneur nous dit que si je suis maître, où est la crainte de moi? Amen. Aujourd'hui, la présence de Dieu est parmi nous. Amen. Si la présence de Dieu est parmi nous, nous devons respecter et honorer cette présence. Amen. Vous savez, quand on va au boulot, on n'est jamais en retard parce qu'on a peur que notre patron nous gronde. Et pourtant, des fois, nous, enfants de Dieu, quand on vient en présence de Dieu, des fois, on est en retard. Des fois, on est distrait. Des fois, on n'est pas focalisé sur la présence. Pourtant, Dieu, il est plus que notre patron au boulot. Il est plus que les hommes sur cette terre. Amen. Je veux vraiment que tu prennes conscience de la grandeur de ton Dieu. Amen. Le Dieu saint, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a sauvé. Où est la crainte que tu as de lui? Amen. C'est pourquoi j'invite vraiment chacun à se concentrer dans la présence de Dieu. Amen. Ainsi, ceux qui ont des enfants, je vous prie vraiment, les parents, peut-être pour dire à leurs enfants de se calmer ou de se tenir à carreau. Pourquoi? Parce que le Seigneur va agir aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur va agir aujourd'hui. Amen. Peut-être que tu as une demande spéciale. Vous savez, tout le monde a des requêtes dans sa vie. Peut-être tu as besoin de guérison. Peut-être tu as besoin de travail. Peut-être, je ne sais pas, tout le monde a besoin de requêtes. Mais dis-toi que le Dieu que tu sers peut faire au-delà de ce que tu peux lui demander. Amen. Donc, ne limite pas ton Dieu à tes requêtes. Et la Bible dit que Jésus a tout accompli déjà sur la croix. Donc, toutes les choses que tu demandes là, Jésus les a déjà faites il y a 2000 ans passés. Dis à ton voisin, tout est accompli déjà. Donc, tu n'as pas à te soucier de l'argent, la famille, la voiture, tout ça, Jésus s'en est déjà occupé. Amen. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est ton cœur. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut ton cœur aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Vraiment, je veux vraiment que ton cœur vraiment reconnaisse l'amour de Dieu sur ta vie. Amen. Je veux vraiment que ton cœur soit rempli de Dieu. Amen. Mais pas rempli de monde, de problèmes, de soucis ou de tracas, parce que tout ça, Jésus l'a déjà fait. Aujourd'hui, si tu es là, Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. Dieu veut t'amener à une communion plus intime avec lui. Amen. Parce que tu es son enfant. Amen. Pour continuer dans la louange, dis-toi que si tu l'as aujourd'hui, c'est par amour. C'est l'amour de Dieu qui t'a amené ici. Amen. La Bible dit que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Vous savez, l'amour de Dieu, il est illimité. C'est un amour inconditionnel. Quoi que tu aies fait hier, quoi que tu aies fait il y a 20 ans, quoi que tu aies péché, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus t'a déjà pardonné. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour sans fin. Amen. Je veux que tu te lèves aujourd'hui et que tu te concentres et que tu exaltes le Seigneur. Et je veux vraiment que tu élèves ta voix et que tu lui dises, Seigneur Jésus, ton amour est vraiment un amour sans fin. Ton amour est vraiment un amour inconditionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de mauvaises choses dans ma vie. Plusieurs fois, j'ai péché contre moi. Mais toujours, tu étais là à tendre tes bras, à m'accueillir, parce que tu es un Dieu d'amour qui m'aime éternellement. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous dis que tu es le Seigneur éternel qui nous aime dans l'amour éternel. Amen. Amour sans fin.
Semblable à ta grâce. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. On peut élever nos mains et dire à Jésus, tel que je suis, je viens à tes pieds. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour, adorer le Seigneur. Ferme tes yeux, adore le Seigneur de tout ton cœur. Exprime ta louange à Dieu, exprime ton adoration à Dieu par tes propres mots. Il est là ce soir, il est là cet après-midi. Il est là pour toucher ta vie, il est là pour toucher ton cœur, il est là pour te remplir. Merci pour ton amour, pour ton amour. Oh, oh. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, oh. Thank you.
Est-ce qu'on peut répéter Jésus chante tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais, en toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté, en toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Je veux que nous nous levons, s'il vous plaît. Nous allons continuer en prière. Nous savons pertinemment ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Et je demande, si possible, si vous avez la Bible en main, si vous pouvez le lire avec moi. C'est une des paroles que Pasteur Younes a déjà lues, mais que nous allons encore relire une fois et que nous allons entrer en prière à partir de cette parole. Il est dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Au nom de Jésus, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vous invite à vraiment venir vers le Seigneur. Le Seigneur peut tout faire. Le Seigneur peut tout restaurer. Le Seigneur peut tout changer. La responsabilité du Seigneur, c'est de nous garantir ce qui va se passer demain. Notre responsabilité, c'est de venir à lui ce soir, cet après-midi, avec un cœur pur. Et je veux qu'on profite pleinement de cette présence. Éloignons-nous des impuretés. Pardonnons-nous. Pardonnons aux autres. Cherchons le Seigneur, ayant l'assurance ensemble que nous pouvons voir le Seigneur ici ce soir grâce à la pureté du cœur. Amen. Le Seigneur peut se manifester dans un lieu improbable s'il y a une personne avec un cœur pur. Et le Seigneur peut se cacher dans un lieu formidable, mais que toutes les personnes qui assistent n'ont pas le cœur pur. Cela ne dépend pas de l'environnement dont on est. Quelles que soient les louanges et les adorations que le Seigneur nous donne dans l'opportunité, la salle, le moment, tout cela en fait dépend de ton cœur. Et je vous invite à prier le Seigneur. Faisons une introspection pour que ce moment ne soit pas un moment d'habitude, ne soit pas un moment qui passe pour nous. Le Seigneur peut tellement faire beaucoup de choses ce soir. Amen. Élevons nos mains, faisons une prière personnelle. Je vous prie personnellement de prier. Priez par vos propres paroles. Utilisez vos propres expressions. Venez à Dieu. Si vous êtes à l'aise en vous levant, levez-vous. Si vous voulez être à l'aise en vous asseyant, asseyez-vous. Si vous vous sentez, Seigneur, je vais m'agenouiller devant toi comme ce qu'on avait chanté, agenouillez-vous. Mettez-vous à l'aise. Nous ne sommes pas liés par des coutumes. Nous sommes guidés et conduits par le Saint-Esprit. Élevez vos prières. Dieu notre Père, au nom de Jésus, nous venons à toi ce soir. Nous nous fions tellement à toi. Et tu sais, Seigneur, que nous sommes dépendants complètement de toi. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Nous sommes perdus sans toi. Nous sommes si faibles. Ce soir, cet après-midi, Jésus, nous voulons te dire de tout notre cœur,
Nous avons grandement besoin de toi. Nous avons besoin de toi plus que toute chose. Et tu nous donnes la parole, tu nous réveilles, tu nous alertes à chaque fois de ne pas venir dans ta présence avec nos propres habitudes. C'est vrai, tu ne rejettes personne, mais tu peux te cacher devant les yeux de tout un chacun. Que ta présence ne se cache pas devant nos cœurs. Nous acceptons cet après-midi à remettre tout ce qui nous concerne, les fardeaux, les impuretés, Seigneur. Tout ça n'est que vaine chose. Nous avons tellement besoin de toi. Lorsque tu vas arriver sur les nuées des cieux, toute cette terre n'aura aucune valeur. Nous enlevons notre cœur de cette terre. Nous te louons, nous t'exaltons. Tu es le Dieu fidèle, un Dieu de grâce. Tu es venu cher pour nous sauver. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé au plus haut des cieux et même au-dessus. Ce soir, nous venons avec nos cœurs. Nous sommes faibles. Nous ne savons même pas venir à toi. Nous ne savons même pas quelle prière te donner, Seigneur. Nous avons tout perdu lorsque nous marchons seuls. Et nous pouvons tout revoir lorsque nous sommes avec toi. Ce soir, Seigneur, viens avec nous. S'il te plaît, sois avec nous. Aide-nous à être en communion profonde avec ta présence. Remplis-nous, Seigneur. Fais que cette réunion soit une réunion mémorable dans notre marche avec ta présence. Ô Père céleste, au nom de Jésus, nous dépendons de toi ce soir. Tu fais tellement de choses pour nous. Et tu en fais trop pour nous. Parce que tu nous aimes tellement. Tu restaures les pauvres de la poussière. Tu donnes de la richesse à ceux qui en ont besoin. Ce que tu fais dans nos vies est tellement miraculeux. Nous voulons te dire, Seigneur, Hosanna, tu es l'agneau immolé pour les péchés de ce monde. Tu es celui qui a donné ta vie pour nous. Hosanna pour celui qui est mort pour nous et celui qui s'est ressuscité. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ce soir, accepte nos louanges et notre adoration. Aide-nous à être conformes à ta parole. Réconforte ceux qui sont fatigués, ceux qui arrivent dans ta présence. Rien n'est caché de tes yeux ce soir. Nous sommes ici dans ta présence. C'est vrai, nous avons peut-être des problèmes, des obstacles sont dans nos vies. Mais ce soir, nous voulons vraiment être dans ta présence. Nous voulons profiter de ta présence. Concentrons-nous dans la présence du Seigneur. Concentrons-nous. Je donne
Hosanna. 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 Wanizana kujinilai. Hosanna. Hosanna. Matifave. Hosanna alanyo imole. Alléluia. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Élevons nos mains, prions le Seigneur. Dieu notre Père, au nom de Jésus, reçois nos louanges. Reçois, s'il te plaît, notre adoration de ce soir. Nous venons à toi avec notre passé, avec notre présent et notre futur. Le futur qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Et nous venons à toi avec ce que nous avons, ce que nous sommes. Et nous remettons tout cela, Seigneur, devant tes pieds. Nous savons que tu es bon, tu es bienfaisant. Tu ne refuses personne qui vient à toi. Et ce soir, nous venons à toi. Nous venons à toi parce que nous nous perdons nous-mêmes. Mais avec toi, Seigneur, nous revenons à la vie. Déclarons ô combien le Seigneur est grand. Aucun obstacle, aucune maladie, aucun événement ne peut surpasser le Seigneur. Quel que soit ce que nous voulons, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous affrontons, tout cela est sous l'autorité du Tout-Puissant. Donc, ce qui est né, les bénitons pour nous. Essaie d'ouvrir ta bouche avec tes propres expressions. Dis à Dieu, Seigneur, tu es grand, tu es le plus grand, tu es saint, tu es le plus saint, tu es bon. Seigneur, nous t'aimons tellement, nous n'avons pas assez d'amour pour t'aimer. C'est ton amour qui nous a permis de t'aimer. Ce soir, Seigneur, nous t'exaltons, nous te louons de tout notre cœur. Nous te glorifions. Tu es le plus grand.
Tu es grand au niveau de notre réunion, dans nos vies. Tu es plus que puissant. Tu es tout puissant. À nos yeux, Seigneur, tu es le plus grand. Et personne, aucune puissance ne peut te surpasser. Au nom de Jésus, déclarons de tout notre cœur, oh combien tu es grand. Proclamons sa grandeur. Dieu notre Père, au nom de Jésus, nous sommes dans ta présence ce soir. Et ta présence est précieuse pour nous. Ta présence est la raison de notre venue de ce soir. Que cette réunion, Seigneur, soit spéciale à nos yeux. Que cette réunion spéciale qui vient de toi, Seigneur, soit exceptionnelle. Que ta présence soit palpable à nos sens humains. Certes, notre faiblesse nous empêche de te voir. Et ce soir, nous avons vraiment soif de toi. C'est vrai, nous sommes ici avec nos problèmes, les maladies, nos soucis et tout ça. Mais Seigneur, nous voulons que tu saches, nous sommes ici pour toi. Et cette réunion n'a de raison d'être que si ta présence est parmi nous. S'il te plaît, surpasse nos faiblesses et parle-nous quand même. Aide ceux qui veulent s'engager. Aide ceux qui sont dans la course. Aide tout le monde au stade où il est avec toi. Aide-nous, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Père céleste, au nom de Jésus, garde-nous, change nos vies, aide tout un chacun à faire une grande décision ce soir, à vraiment être conforme et surtout à être agréable à tes yeux. C'est vrai, nous aimons chanter, nous aimons danser, nous aimons t'acclamer, nous aimons tout cela pour toi, Seigneur. Mais bien plus que ça, nos cœurs, nos vies, nous voulons qu'elles soient agréables à ta présence. Et à partir de là, rien ne compte pour nous. Parce que si nous sommes plaisants à tes yeux, alors c'est notre bonheur. Ce soir, Seigneur, nous venons à toi. Des malades sont présents, ils te cherchent. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils te cherchent, Seigneur. Il y a des gens qui sont dans un combat, qui luttent, peut-être qu'ils sont dans le désespoir. Il y a aussi ceux qui peut-être ne savent plus quoi faire de leur vie. Surtout les personnes qui sont déboussolées dans ce monde. Ce soir, que cette réunion avec ta présence soit un moment de joie, de changement. Un moment de vie,
avec ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Dites à votre voisin, le Seigneur est ici. Et vous êtes ici aussi. C'est un moment privilégié, dites-le, c'est un moment privilégié. Vous pouvez rencontrer le Seigneur. Amen. J'espère que tout l'après-midi, nous allons nous réjouir dans la présence du Seigneur. Nous allons dépasser tout ce qui doit être dépassé. Mais nous allons nous concentrer exclusivement sur la présence de Dieu et sur ce qu'il veut nous dire. Quelquefois on dit, ah, j'aime pas trop les baffles. N'écoutez pas les baffles. Écoutez le Seigneur derrière les baffles. Ah non, la chaise, elle n'est pas confortable. On peut s'asseoir sur terre aussi, en tan, directement aussi. Ne posons pas de problème devant le Seigneur, parce que nos problèmes peuvent être solutionnés dans le Seigneur. Je ne sais pas quels sont peut-être les paramètres qui ne remplissent pas notre confort. Mais ce que je suis sûr, le Seigneur est parmi nous, le Seigneur est avec nous, et nous allons passer un moment incroyable. Amen. Amen. Et dans cette préparation, je veux que nous fassions une petite prière. C'est une manière de dire une petite prière. Déclarons devant le Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre un enseignement, mais ta voix. Nous ne voulons pas la prêche, nous voulons ta voix. Nous ne voulons pas de nouvelles choses. Ah ouais, j'ai jamais entendu ça. Nous voulons ta voix. Nous ne voulons pas être seulement spectateurs de ce qui se fait ici. Nous voulons entendre ta voix. Parce que dans la Bible, après la voix de Dieu, c'est autre chose. Après la voix de Dieu, c'est autre chose. Donc ce soir, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Levez nos mains. Levons nos mains et prions le Seigneur. Dieu notre Père, au nom de Jésus, nous voulons accueillir ta parole, recevoir ta parole de vie et surtout être des privilégiés à entendre ta voix ce soir. Merci beaucoup parce que tu acceptes de nous parler. Tu veux encore nous parler et cela est très précieux à nos yeux. Merci beaucoup Jésus. Merci beaucoup pour ce que tu as fait, pour ce que tu accompliras dans cet endroit, dans nos vies, pour ce pays, Seigneur. Et souviens-toi de notre pays aussi, Madagascar. Que ta miséricorde opère dans les cœurs. Tu es notre sauveur. Nous avons besoin de ton salut. Sauve-nous, Seigneur. Sauve notre pays. Souviens-toi de la France et de l'Europe tout entière. Que tous ces pays se tournent vers toi. Qu'ils n'oublient pas que c'est ta bénédiction qui a rendu ces pays si prospères. Seigneur, visite les cœurs. Nous te demandons de bénir les églises, les associations, les communautés. Et surtout, nous prions, Seigneur, avant que la parole ne vienne. Bénis notre nation. Bénis Madagascar. Et tous les pays dont tous les frères et sœurs sont présents ici viennent. Que ce soit la Roumanie, tous les pays, Seigneur. Peut-être qu'on ne peut pas tous les énoncer, les lister, mais tu vois dans nos cœurs. Nous savons la grandeur de ton amour. Merci Seigneur, bénis-nous ce soir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur, nous allons recevoir.